So we will resume with the archaeometric indicators session. And this morning we will begin with the DNA analysis, what they can tell us about amphora content. Catherine Henny of the École Normale Supérieure in Lyon will be the speaker, and Nicolas Garnier, the discussant. So, hello everybody, thank you to be here this morning. And I think I'm trying to crash, because there is a lot of microphone. Don't forget it. Where? Here? You have one? It's okay? Yes. I just say that, in fact, I think I return into French because I think there is more people speaking French than speaking English, so it's better. And okay. C'est en français que je parle. Je suis désolée. Donc, vous voyez que mon titre est très très large, c'est-à-dire de la paléogénétique à la paléogénomique de quelques amphores. En fait, on est ici dans un congrès qui parle spécifiquement des amphores. Moi, je suis paléogénéticienne. Je ne travaille pas uniquement sur des amphores. En fait, je travaille très peu sur des amphores. Je fais de la paléogénétique dans des domaines très, très variés, allant de la paléontologie à des applications, surtout en sciences de l'évolution, évolution du climat, évolution des espèces, etc. Donc, vraiment très, très large, qui fait qu'en fait, ce savoir-faire, quelque part, je dirais, de paléogénétique, dans le fond, il peut être appliqué, comme je vous le dis, à des domaines très très variés. Et en ce sens-là, vous le savez, c'est des analyses qui coûtent très cher. Donc, et vous verrez qu'il faut des conditions spécifiques de laboratoire. Et donc, au lieu de multiplier les laboratoires en France qui permettent de faire ce type d'analyse, le CNRS a décidé de ne monter que quelques laboratoires, donc qui seraient en fait des plateformes sur lesquelles peuvent se réaliser des projets, c'est-à-dire à la fois des gens qui connaissent les techniques de biologie moléculaire qui viennent à Lyon dans notre laboratoire pour y faire leurs propres analyses, comme par exemple des collaborations avec des gens qui n'ont pas le savoir-faire, par exemple des personnes comme vous dans la salle qui sont archéologues et qui aimeraient développer des projets, et donc qui nous soumettent ces projets et qu'on réalise en interne. Donc, je dirige à Lyon une plateforme qui s'appelle la PALGEN, la plateforme nationale de paléogénétique. Et donc, je vous dis, je travaille sur des sujets très, très variés. C'est pour ça qu'il y a des images très différentes. En fait, je ne vais pas faire une conférence sur la paléogénétique. J'aimerais juste qu'on discute de quelques questions clés et qu'on essaie d'échanger pour pouvoir faire des choses ensemble. Parce que en fait, ça fait des années qu'on parle de paléogénétique, mais je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de résultats d'analyse. Vous le savez, en fait, avec Nicolas, on en a parlé, il y a essentiellement deux papiers. Ce n'est pas beaucoup, deux papiers sur les amphores. Donc, je vais vous parler de généralité sur et la différence entre la paléogénétique et la paléogénomique, et puis à la fin, quelques applications. Mais bon, c'est pas vraiment un cours, c'est pas vraiment une conférence, c'est interactif. Si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure, ou alors on verra après. Alors, je vais essayer de répondre à certaines questions très simples. Tout le monde me demande toujours sur quoi est-ce qu'on peut faire des analyses de paléogénétique. Dans quelles conditions est conservé l'ADN? Est-ce qu'on peut récupérer de l'ADN de tel et tel âge? Donc, c'est des choses-là dont j'aimerais discuter, parce que les questions reviennent chaque fois. Alors, eh bien, la paléogénétique, c'est la possibilité de récupérer de l'ADN, donc la molécule qui porte l'information génétique, dans des substrats qui sont anciens, donc des substrats dégradés. Quelque part, dans le fond, nous sommes des archéologues de l'ADN. C'est-à-dire que le substrat sur lequel on travaille, comme pour un paléontologue ou un archéozoologue, pour lequel c'est l'os, il a subi des dégradations au cours du temps. Et donc, les techniques qu'on utilise doivent s'adapter à ce type de matériel. Alors, par définition, l'ADN est le constituant premier majeur de la matière, de ce qui est la matière organique.
et du patrimoine génétique et de la matière organique. Donc, par définition, on peut extraire de l'ADN de tout substrat organique. Alors, au départ, tout le monde a pensé aux momies, que ce soit les momies naturelles, les momies artificielles, et puis les ossements, les dents. Et puis, comme vous le savez, on peut récupérer de l'ADN de tas de choses, hein. Des fesses, des poils, des cheveux, des insectes, des plants, du bois, des graines, des sédiments. C'est-à-dire que dans les sédiments, certes, il y a la partie minérale, mais de l'ADN peut être absorbé sur la partie minérale. De la glace, enfin, évidemment, tout ce qui est momie, les mammouths, etc. Bref, toute matière organique peut encore conserver de l'ADN. Ce qui, par contre, est limitant, ce sont les conditions de conservation. Alors, vous allez dire, je ne comprends pas, pas une diapo à l'autre, mais en fait, comme toute discipline, la mise en place d'une discipline est liée à un moment de l'histoire des techniques. Et si on a pu montrer au début des années 80 qu'on pouvait récupérer, que l'ADN dans le fond était conservé, c'est que, et donc est née la paléogénétique, c'est que jusqu'à peu près, oui, au milieu des années 80, les outils techniques qu'on avait ne permettaient pas de, dans le fond, de visualiser l'ADN. Ça veut dire que bon, il était conservé, on n'était pas capable de le démontrer. Or, au milieu des années 80, il y a une technique qui est qui a été mise en place, qui s'appelle la PCR. En anglais, c'est Polymerase Chain Reaction. En français, c'est réaction de polymérisation enchaînée, qui est, de façon en vulgarisant, je dirais que c'est une photocopieuse à ADN. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, puisque, dans le fond, l'ADN, on va le voir, peut être conservé dans des substrats anciens, en très, très petite quantité, et que cette technique permet de ce qu'on appelle l'amplifier, donc dans le fond, faire une photocopie. Et donc à ce moment-là, cet ADN, c'est le mot qu'en France, en anglais, reached, atteint des quantités suffisantes pour qu'il soit analysable par les techniques de biologie moléculaire actuelles. C'est dans le fond exactement la même chose que lorsqu'on allait dans un laboratoire d'analyse médicale il y a 20 ans, et qu'on était potentiellement atteint d'une maladie virale ou bactérienne, il fallait, tout ce qui était bactéries, il fallait en fait faire pousser les bactéries, il y en avait suffisamment, et on se rendait compte que bah, voilà, on avait telle et telle maladie. Maintenant, on utilise cette technique de PCR, et en 24 heures, on a le résultat, simplement parce qu'on photocopie l'ADN présent en petite quantité. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, mais je suis toujours obligée de montrer un peu comment ça marche sur le fond, parce que c'est ça qui va permettre de comprendre, en fait, les difficultés de la paléogénétique. Parce que vous avez tous entendu parler de problèmes de contamination, de problèmes de dégradation de l'ADN, mais pourquoi, dans le fond? Quel est le problème majeur? Eh bien, ça vient de cette technique, qui est à la fois une technique hypersensible, c'est absolument extraordinaire, puisqu'on a très peu d'ADN, on peut en obtenir beaucoup et le visualiser, mais vous verrez que ça a des travers qui ne sont pas simples. Donc si je schématise ici une molécule d'ADN déroulée, ça fait cette échelle ici en haut, la technique de PCR, on a une première dénaturation, on chauffe à température très forte, c'est comme un bain-marie en fait avec des températures différentes, une grosse casserole, ici on avait plusieurs casseroles avec des températures différentes dans lesquelles on plongeait de l'ADN. Dans un premier temps, les deux molécules d'ADN à 94 degrés, enfin les deux chaînes d'ADN s'ouvrent, hein. C'est-à-dire qu'en face de chacune des bases à CGT qui pourraient être notées ici, hein, ça se présente les différentes bases, ces deux chaînes qui sont complémentaires s'ouvrent. Et puis, se passe une étape très importante qu'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va lancer contre, je dirais, en face, comme des hameçons, ce qu'on appelle ça des amorces, des oligonucléotides en anglais, des petits morceaux d'ADN qu'on connaît comme étant complémentaires de cet ADN, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai noté ici à la flèche verte, c'est-à-dire que on connaît certaines bases du génome, on connaît leur enchaînement, on lance des petites sondes spécifiques qui vont aller se fixer de part et d'autre de la double chaîne d'ADN qui est ouverte. Hein. Et ensuite, on fait agir une enzyme qui s'appelle, qui est une DNA polymérase, la TAC polymérase, qui vient des grands fonds marins, en fait, je dirais, quand on lui a mis dans le milieu des bases libres, resynthétise en fait en face
à partir de cet oligonucléotide, qui est comme en fait une fermeture éclair, en fait. Hein. Le début de la fermeture éclair, vous savez, vous connaissez le problème, une fois qu'il y est, on arrive assez facilement à obtenir l'enchaînement, qui complémente en fait la chaîne d'ADN avec les bases libres qu'on a mis dans le milieu et qui reforme un deuxième brin d'ADN. Donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est fondamental. Cette technique permet de passer d'une molécule d'ADN au départ à deux molécules à la fin. Et si on fait ça plusieurs fois, on obtient à la fin 2 puissance N molécules d'ADN, N étant le nombre de cycles. C'est pas intéressant, c'est très technique, mais c'est vraiment important pour comprendre la base de la paléogénétique. C'est quoi? C'est la mise en œuvre de cette technique-là qui permet, vous imaginez que dans des substrats organiques très très dégradés, il reste quelques molécules d'ADN, et quand je dis quelques, c'est important, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en nombre de molécules. Alors que les biologistes moléculaires qui travaillent sur le sang, sur les cellules actuelles, ils travaillent en concentration, c'est-à-dire des milliers, des milliards de molécules d'ADN dans un tissu. Nous, on part d'un nombre de molécules, d'accord? C'est vraiment des échelles totalement différentes. Et donc, à partir d'une molécule, on arrive à 2 puissance N molécules à la fin. Bon, ça, c'est très théorique, en sachant que... c'est pas toujours le cas. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'absolument qui a donc révolutionné le monde scientifique avec des applications biomédicales, mais aussi justement la naissance de la paléogénétique, puisque une molécule d'ADN, on n'avait aucun moyen de le visualiser, alors que plein de molécules d'ADN à la fin, ben, y a des techniques classiques qui permettent de le visualiser. Voilà. Ce que je voulais juste dire là, c'est que c'est extraordinaire, mais ça a un inconvénient majeur, qui est que, ça c'est la théorie, c'est partir d'une molécule, je vous l'ai dessinée, qui est une molécule jolie, là, enfin je vous ai montré, c'est une molécule, comme si c'était une molécule qui était en bon état. Or, on part, nous, d'ADN qui a subi les dégradations du temps et de l'environnement. Donc, un ADN qui est en très mauvais état et qui est dessiné ici, hein, puisqu'il a subi des problèmes de taphonomie, l'action du temps et de l'environnement. Et ce n'est pas un ADN bon teint avec son alignement de bases normaux. On a des tas de caractéristiques qui font que cet ADN est dégradé et chimiquement modifié. Et donc, que tout ADN bon teint qui contaminerait l'expérience sera préférentiellement amplifié par rapport à l'ADN dégradé. D'où l'énorme problème des contaminations. Donc là, vous comprenez pourquoi j'ai insisté sur la technique. C'est à cause de la technique qu'on a ce problème de contamination éventuelle, puisque vous en avez tous entendu parler. Alors, en effet, il y a l'action de l'hydrolyse, l'oxydation, qui agit sur cette molécule, qui fait qu'il est cassé en petits morceaux et il est chimiquement modifié. Alors j'ai dit, il y a ce problème de contamination. Et puis un autre problème que j'ai noté ici comme les mutations artefactuelles. Alors ça, c'est un problème pas de conservation de l'ADN en tant que quantité, mais en tant que qualité de l'ADN. Parce que l'hydrolyse, l'oxydation, j'ai un petit dessin après qui n'a aucune importance, mais juste pour vous dire que tout ça, c'est pas... ça a été étudié quand même, fait qu'on a des modifications chimiques des bases. Or, le grand problème du paléogénéticien, c'est de ne pas confondre les mutations artefactuelles, donc ces mutations-là dues à l'hydrolyse et l'oxydation, etc., avec des mutations biologiques vraies. Alors, je vois, j'espère que vous voyez. C'est-à-dire que quand on étudie, par exemple... des espèces disparues. Je prends le cheval, puisqu'il y a eu pas mal de papiers sur les chevaux en ce moment. Eh bien, quand vous sortez de l'ADN de restes de chevaux d'un million d'années et que vous l'introduisez dans une phylogénie moléculaire en regardant sa séquence par rapport aux séquences des espèces actuelles, si la séquence que vous avez est une séquence qui est due aux dégradations et du temps de l'environnement et qui n'est pas une séquence biologique vraie, alors vous positionnez votre espèce disparue à un endroit complètement différent dans l'arbre, et donc vous avez une erreur taxinomique évidente. Voilà. Donc c'est là aussi, c'est pour vous expliquer que
Je dirais, être paléogénéticien, c'est un métier, c'est pas juste l'application de la biologie moléculaire dans les conditions de laboratoire communes. C'est des particularités, comme bon, je me répète, parce que c'est assez évident pour vous, c'est la même chose pour la chimie, hein. C'est une interface qu'il faut assez bien maîtriser, qui n'est pas juste voilà, l'application de la biologie moléculaire. Alors, bon, je vous ai dit ça, c'était juste pour vous dire que du coup, ça doit se faire dans des laboratoires dédiés. J'ai une petite photo. Vous allez dire, ça n'a rien à voir. C'était juste pour vous expliquer comment ils ont pu démontrer ces mutations artefactuelles, mais je ne vais pas venir dedans. C'est quand le génome complet des Néandertaliens a été séquencé, on s'est rendu compte que le pourcentage des bases qui est connu comme étant actuellement chez l'homme et le chimpanzé sont identiques. Et comme par hasard, ce pourcentage des bases chez les Néandertaliens était différent. C'est donc qu'il y a un problème de mutation artefactuelle et pas de mutation biologique. Voilà. Là, c'était juste pour vous dire que du coup, on a énormément de critères d'authenticité qu'on met en place. Alors, la diapo ne va pas vous dire énormément de choses. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'essentiellement, c'est la reproductibilité. C'est-à-dire que les manips qu'on fait, moi, j'estime que les faire une fois, les obtenir une fois, n'a aucun sens. C'est-à-dire que si on veut vraiment être sûr des résultats en paléogénétique, il faut s'imposer. Nous, dans le laboratoire, c'est ce qu'on fait. C'est 2 à 3 fois de répétition de la même manip pour être sûr d'obtenir le même résultat. Et puis, dans les années 2000, on avait dit que les différents laboratoires devaient reproduire les uns les autres les manips. Ça n'a pas toujours été mis en place pour plusieurs raisons, mais à mon avis, c'est quelque chose d'important. Donc, la reproductibilité et également certains tests qui sont à faire, on va voir plus loin, et qui sont absolument nécessaires. Donc, moi, j'estime que s'il n'y a pas un nombre de critères d'authenticité qui ont été réalisés dans une analyse, bon, on peut dire tout ce qu'on veut avec la paléogénétique. Voilà, d'ailleurs, ça avait été écrit en 2000 hein, par des collègues qui ont écrit Ancient DNA, d'où il pourrait être un autatole. Je pense que ça... Voilà. Bon, alors, juste une petite chose sur les contaminations. Tout le monde me dit, possible... tout le monde dit, mais... Le problème des contaminations, d'où est-ce qu'il vient, à quel moment c'est important de ne pas contaminer et tout. Alors j'aimerais juste dire des choses, c'est que dans la vie d'un échantillon, il y a 2 phases pour un échantillon qui va passer en analyse paléogénétique. Il y a sa vie avant, jusqu'à la mise dans cet appareil, qui est l'appareil pour faire l'amplification, dont je vous ai parlé, et puis il y a sa vie après. C'est là que se trouve. Pourquoi ? Vous avez compris tout à l'heure que quand on met l'ADN dans la machine de PCR, il en ressort photocopié à partir de bases libres qu'on lui a données, des nouvelles molécules. Donc, il est clair qu'après ce qui est l'amplification, une fois qu'il est photocopié, c'est de l'ADN actuel, c'est de l'ADN moderne, qui est là en grande quantité. Donc, on n'a plus de problème de contamination. La contamination, c'est ce qui se passe avant la mise dans la machine, c'est-à-dire, en effet, tout ce qui est au laboratoire, mais tout ce qui est la vie antérieure de cet échantillon. Et ce n'est pas seulement sa vie à partir du moment où on arrive sur le terrain et on fait l'échantillonnage avec des gants, masques, presque tuba, etc. Non, il avait une vie avant aussi. Et c'est là, j'insiste peut-être, mais parce que ça m'énerve, parce qu'il y a pas mal de mes collègues qui prennent donc qui arrive en effet avec une panoplie incroyable sur le terrain, ça m'arrive aussi. Et puis à partir du moment où le biologiste moléculaire il est là, c'est bien, il a pris en charge, il va plus y avoir de contamination, il va rentrer dans le laboratoire dans des bonnes conditions. C'est absolument vrai. J'y crois et on sait gérer. Enfin, ce qui s'est passé avant, on ne gère pas. Donc ça ne sert à rien de faire le grand jeu pour venir prélever si l'échantillon il est resté 20 ans dans une caisse, dans un musée. Ok ? Si je dis ça, c'est pour vous décontracter vis-à-vis de la chose. J'ai l'air un peu bon, mais j'aimerais que... Enfin, parce que le biologiste moléculaire, il dit, oui, mais ces échantillons sont contaminés, alors on arrive le grand jeu, on met... Mais dans le fond, ils ont une vie, ces échantillons. Et c'est à nous de réfléchir comment minimiser le problème
de la contamination, mais ce n'est pas à partir du moment où nous, on le prend en charge, que plus rien va être contaminé. Il y a tout ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant, c'est vous qui le savez. D'accord ? Ou c'est vous qui nous... Vous ne savez pas toujours, mais vous essayez de nous amener des informations. Quand je dis vous essayez de nous amener des informations, mon raisonnement n'est pas bon. Nous essayons ensemble de comprendre, parce que nous, on doit poser les bonnes questions, et vous aussi. Ensemble, on doit essayer de voir à quel moment il y a eu des choses cruciales qui peuvent intervenir dans la contamination. De même que nous avons des outils pour y parer, et ça dépend de la question que vous posez. C'est-à-dire, tout simplement, on va le voir après, alors je parais peut-être un peu brouillon, mais c'est parce que j'aimerais, il y a un certain nombre de questions qui viennent toujours. Si on recherche spécifiquement des végétaux dans une amphore, parce qu'il y a une question X sur tel et tel végétal, soyons clairs, on peut arriver, je peux arriver et puis parler, saliver sur mon échantillon, ça ne va rien changer, puisque c'est moi qui vais faire l'échantillon, je suis humain, donc je suis un animal. Donc même si je contamine avec de l'ADN animal, ça n'aura pas de conséquences sur les séquences obtenues d'un point de vue végétal. Puisque si vous vous souvenez de la technique que j'ai montrée au départ, on va lancer des sondes. Et nous, on connaît en tant que phylogénéticien des sondes d'ADN, des petits morceaux d'ADN spécifiques des végétaux ou des animaux. Donc si on cherche de l'ADN végétal, on va lancer des sondes spécifiques des végétaux et tout ce qui est de contamination humaine, on s'en fout un petit peu. D'accord ? Donc ça dépend de la question posée. J'insiste vraiment là-dessus. Par contre, c'est aussi pour ça que, par exemple, dans mon labo, moi, j'ai plus du tout envie de travailler sur ce qui est humain, parce que vous imaginez la difficulté entre l'ADN d'humain actuel que nous sommes tous dans le labo et tout ce qui a été fait, les fouilles et toute la vie des échantillons auparavant, par rapport à de l'ADN d'ossements médiévaux, etc. C'est un petit peu compliqué, hein. Et bon, il y a des gens qui ont la prétention de le faire. Moi, en tout cas, je n'ai pas la prétention de le faire. Voilà. Donc, je veux juste dire, parce que y a, c'est vraiment dû, il y a une interaction entre les questions, etc., qui est importante, entre les personnes. Voilà. Donc, cette limite-là, elle est vraiment importante. Et tout ce qui est avant, c'est à discuter ensemble aussi, chaque fois. Ça, c'est juste des jolies photos pour vous dire que, voilà, un labo, donc je vous l'ai dit, dans le laboratoire, par contre, c'est de notre obligation, je dirais, de ne pas contaminer les échantillons. Et donc on travaille presque en scaphandre dans des salles blanches qui sont en surpression, qui sont irradiées aux UV en notre absence, les UV cassant l'ADN exogène contaminant le plus possible. Mais enfin, malgré tout ça, il peut y avoir des problèmes de contamination, mais c'est à nous de les gérer et de faire les tests nécessaires. C'est juste des jolies photos. Je veux dire que bon, c'est pas une amphore, mais on a travaillé sur des contenus organiques qui sont... joli résultat. Voilà. Alors, si on revient à la conservation de l'ADN, il y a quand même quelques choses qu'on sait maintenant. C'est que plus que le temps, c'est l'environnement qui est important. On commence à savoir que l'hydrolyse, l'oxydation, l'autolyse et la présence de micro-organismes sont absolument délétères pour cet ADN. Et que par contre, bien lorsqu'on a une forte dessiccation, une forte pression... l'absorption sur de la matière minérale, un pH basique, etc., on a une diminution de ces facteurs et donc plus de chances de pouvoir récupérer de l'ADN. Alors forcément, il y a des environnements tels que les glaces où on a une température très basse, une forte dessiccation, beaucoup de pression. Eh bien, on maximise les chances de pouvoir récupérer de l'ADN. Mais tout ça, c'est difficilement quantifiable. Donc c'est souvent... il n'y a rien d'autre que la pratique et le faire, je dirais. Voilà. Je vais passer à quelques exemples qui vont vous paraître très éloignés, mais c'est pour pouvoir discuter de certaines questions. Je viens sur les amphores après, ne vous en faites pas. Mais parce que ce que je vais vous montrer là, c'est la même chose. Dans le fond, qu'on travaille sur la matière organique dans une amphore, ou qu'on travaille sur, ici, un petit morceau de calotte, une carotte en fait, venant du Groenland, c'est exactement la même chose, ok ? C'est le même type de raisonnement et le même type d'analyse. Alors, je prends un des exemples publiés par des collègues. Je vous ai dit une petite carotte venant du Groenland d'environ 1 million d'années. Non, en fait, c'est 800 000 ans environ, pour connaître les espèces végétales présentes à l'époque et en déduire le type de forêt, le type de climat et le type de végétation.
Alors, ils ont là lancé, on va dire, des sondes spécifiques. Les noms, ça n'a aucune importance, mais pour vous dire qu'ils ont lancé deux types de sondes, certaines qui pouvaient aller rechercher de l'ADN de végétaux et certaines de l'ADN d'insectes. Donc là, vous voyez que dans ce cas-là, ils n'ont pas été chercher ce qui était de l'ADN animal, etc. On peut vraiment trier en fonction des questions posées. Et pas besoin de regarder tout ce truc-là, juste pour vous dire que à la fin, ils ont montré, donc vous imaginez quand même que c'est à partir de sédiments, hein, il n'y a aucun reste qu'on puisse déterminer de façon visuelle. Ce qu'ils ont, ils ont trouvé plein d'espèces, là, enfin, ce n'est pas des espèces, hein, ce sont des familles, des salicées, pinacées, taxacées, poacées, etc. Ensuite, quand ils font l'analyse, à la fin, il y a des tas de choses, mais ça, on pourra en reparler parce que dans les articles de Follet, c'est justement le cas. On peut sortir des choses comme ça, mais à des pourcentages très faibles, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez qu'à la fin, les seuls qui ont vraiment support scientifique important, c'est la présence de pinus, de picea, et de bouleau, l'anus. Les autres, ils en tiennent pas compte. Voilà. Et donc, ils ont conclu qu'à cette époque-là, au Groenland, on a une forêt boréale ouverte parce qu'on a la présence de pinacées et de bétulacées. Gardez ça en tête, les pinacées. On va en reparler après. Bon, c'était juste pour vous montrer qu'on peut aller chercher spécifiquement des choses. Bon, je laisse tomber, on peut faire la même chose sur tout ce qui est animal et végétal, je vous ai dit, en lançant des sondes différentes, à partir de sédiments dans le permafrost. C'est quand même intéressant de voir qu'à partir, dans le fond, il n'y a aucun reste organique vraiment visible à l'œil nu, et on sort des tas d'espèces, comme du mammouth, du lapin, enfin de l'ovibos, etc. Donc rien que par la présence d'ADN. Bon. Alors, ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, même si je ne l'ai pas dit, c'est avec des méthodes de paléogénétique. Mais dans le fond, la paléogénétique, ça n'existe plus. Il faut dire paléogénomique. Et pourquoi ? Parce que je vous ai raconté qu'on utilisait cette technique de PCR où on allait rechercher des choses spécifiques avec des sondes. Je vous ai fait tout un discours en disant... On va aller voir s'il y a des végétaux, on va voir s'il y a des animaux, on peut aller voir s'il y a telle espèce, etc. On adapte nos sondes à une certaine question. Donc on va regarder spécifiquement quelque chose dans un mélange. Dans une soupe, est-ce qu'il y a des carottes, est-ce qu'il y a des oignons ? La paléogénomique, on n'est plus dans ce domaine-là. C'est dû au fait qu'auparavant, quand on allait chercher des carottes et des oignons dans une soupe, quand on avait réussi à obtenir quelque chose, on le séquençait et on avait la séquence de carottes et la séquence d'oignons. Ça, c'était la paléogénétique. C'est plus du tout comme ça que ça se passe. Comme il y a maintenant des techniques qu'on appelle les techniques de nouvelle génération de séquençage, c'est-à-dire qui ne font plus des centaines à des milliers de séquences d'ADN, mais vraiment des milliards de paires de bases d'ADN en un temps record. Vous savez qu'il y a les génomes complets qui sont faits couramment maintenant, que les prix ont nettement diminué. En fait, on est passé de la technique... c'est une vraie révolution. Donc, on ne fait plus du tout comme ça. Ça coûte encore beaucoup plus cher, mais on séquence beaucoup plus. Donc, pour chaque chose, ça revient moins cher. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, poser une question spécifique, on va simplement, je dirais, analyser tout le mélange. C'est-à-dire qu'on va broyer tout ce qu'il y a et on va faire la liste des espèces ou la liste des constituants, et non plus avec des questions spécifiques. C'est-à-dire que dans ma soupe, je ne vais pas chercher est-ce qu'il y a des carottes et des oignons, et est-ce qu'il y avait des poireaux, et est-ce qu'il y avait, etc. Je prends la soupe, je la mélange, et je fais la liste de tout ce qu'il y avait. Donc c'est ça complètement différent. Donc je parle de soupe, mais c'est vraiment très simple. Ça paraît compliqué, mais c'est la seule différence entre la paléogénétique et la paléogénomique. C'est simplement... que maintenant on utilise des techniques de séquençage qui sont à ce qu'on appelle à haut débit. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher, on séquence tout et on fait la liste de ce qu'on a. Donc, quelque part, on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux qui avaient été faits sur les amphores. On pourra ensuite discuter pourquoi, etc. Et puis, il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits.
Ben moi, je dis, tant mieux. Pourquoi ? Ben parce que, dans le fond, de temps en temps, il faut donner du temps au temps. Parce que les moyens techniques qu'on a maintenant par rapport à ceux qu'on avait il y a 15 ans, ils sont complètement différents. Et que je pense que c'est vraiment maintenant qu'on va pouvoir faire les choses avoir des vrais résultats qui sont... Alors, il faut toujours commencer par des étapes plus simples, mais je pense que les résultats qu'on peut obtenir actuellement sont... J'y crois plus que ce qu'on faisait il y a 15 ans. C'est complètement différent. Et justement, un exemple ici, c'est pas un fondant fort, c'est simplement avec un ossement d'ours des cavernes. Et ça répond à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire où il y allait chercher spécifiquement de l'ADN d'ours des cavernes, ce que moi j'ai fait pendant ma thèse et pendant des années, puisque je travaillais là-dessus, aller chercher des séquences spécifiques, etc. Enfin, plus du tout comme ça. Et là, vous voyez, ils ont broyé en fait un os. Ils ont fait ce qu'on appelle une banque. C'est-à-dire qu'on fait une banque de tout l'ADN présent. Et puis, comme on a de l'argent, que les techniques sont différentes, on séquence tout. Et à la fin, vous voyez, on obtient des camemberts, où vous voyez que, par exemple, alors c'est assez terrible au niveau du rendement, puisque, si je prends celui-là, là c'est moins pire, mais celui-là, vous voyez que, par exemple, on a des champignons, des bactéries, etc., forcément, hein, un os dans le sol, il y a tout ça. Et vous voyez qu'à la fin, on n'a qu'un 1% d'ADN qui représente l'ADN de l'ours des cavernes. Carnivore, mais c'est l'ours des cavernes. Hein. Et puis ensuite, il y a d'autres espèces qui sont probablement des espèces contaminantes sur cet os, puisque cet os, bah justement, il a peut-être été... il a sûrement été touché par les gens du labo ou les fouilleurs, j'en sais rien, à la main, parce que il y a un lapin qui est passé par là. Enfin, je ne sais pas. Toute son histoire, la biographie en fait de cet os qui est retrouvé ici, c'est clair. Donc vous voyez qu'au niveau rendement, on n'a qu'un 1% d'ADN d'ours des cavernes. Mais c'est 1%, c'est tellement plus et ça coûte tellement moins cher que d'aller le chercher comme on le faisait avant. Je pense que c'est vraiment les techniques. Qu'il faut. Et par contre, vous voyez, tout ça, c'est unknown. Ça veut dire, et ça amène à un autre problème, c'est que l'ensemble du monde vivant a heureusement d'ailleurs pas été séquencé complètement, donc on a un problème de référence. Donc dans tout ce qui est ici, c'est toutes des séquences qui ont été sorties, mais quand on envoie ces séquences dans les banques de séquences internationales, on trouve rien qui matche, qui va avec ces séquences-là, parce qu'elles ne sont pas connues. Donc on se trouve avec des camemberts avec ce genre de résultats. Mais les résultats sont là, et c'est assez génial, parce que dans les années qui viennent, et on va pouvoir analyser, sans refaire de nouvelles analyses, on va pouvoir aller chercher de façon in silico dans les banques à quoi correspondent ces séquences-là. Voilà. Alors même si je vous donne un exemple là-dessus, sur cet os, c'est dans le fond exactement ce qui se passe, qui va se passer à mon sens, et qui, en allant par exemple analyser des fonds d'amphores, des encroûtements, des restes organiques. Il y a 15 ans, on aurait été faire une PCR, ça dure des mois, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps. Là, ça prend encore du temps, ça coûte très cher aussi, etc. Mais on a l'ensemble des constituants. Donc je pense que c'est quand même plus intéressant et c'est exactement... Voilà. Donc c'est ça la différence entre la paléogénétique et la paléogénomique. Voilà, alors vous allez enfin arriver à des choses, des photos qui vous intéressent peut-être un peu plus. Juste quelques exemples, parce que dans le fond, moi, j'ai pas énormément travaillé. Je peux pas vous montrer énormément de résultats, parce que on n'a pas fait énormément d'analyses sur des amphores. Et puis là, comme vous le voyez, c'est pas vraiment des amphores, hein, c'est des cruches. Mais la problématique est la même au point de vue de l'analyse du contenu. Donc, une cruche pleine et fermée, je sais pas si ça se voit bien ici. Je crois que ça se voit mal, mais enfin, il semblait par un bouchon ici. Dont on ne connaissait pas la nature, et complètement pleine de sédiments venant d'une nécropole romaine, Vitry-en-Artois, et donc le but était de savoir qu'est-ce qu'elle contenait, parce qu'elle était vraiment pleine de sédiments. Alors, et là justement, peut-être que ça peut vous intéresser. On s'est dit, bon, on va essayer de faire ça bien, comment est-ce qu'il faut faire ça? En fait, je vais vous donner une série d'exemples pour qu'on en discute. Bon, voilà cette cruche sortie. Elle n'a pas été ouverte, donc condition a priori maximum pour qu'il n'y ait pas de contamination. Alors j'aimerais bien que Nicolas, tu penses un peu, c'est la question, mais pourquoi? Puisque si on va chercher des végétaux, si c'est contaminé par de l'humain, on s'en fout. Parce qu'il y a quand même, un petit bémol à ça. On a analysé, on s'est dit, le bouchon, qu'est-ce que c'est?
Et puis, on va voir la nature du bouchon. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'il y a dans un sédiment, enfin, ce qu'il y a en interne, ou est-ce que c'est la même chose qu'à l'extérieur? Ça permet de répondre à une question. On a pris, et ça vraiment c'est important, j'y pense, j'insiste, on a pris du sédiment externe, de la terre externe, pour comparer. Ensuite, on a défait le bouchon, on a été chercher le résidu interne, qui est ici. Et puis, on va en parler. Au laboratoire, on a fait un suivi des contaminations à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait dans notre environnement au laboratoire. Donc, vous voyez déjà que pour, sur place, sur le terrain, pour une analyse d'un sédiment à interne, résidu interne, moi, je ne me contente pas d'aller chercher que ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, vraiment, j'insiste, c'est important, vous allez voir, on va voir le résultat. Non seulement on a le bouchon, mais surtout la terre externe. Donc, pour une analyse, il y a trois échantillons différents pour savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. J'insiste. Tout ça, c'est pour la méthodologie. Hein. Et voilà ce qu'on a obtenu. Par la méthode dont je vous ai parlé, c'est-à-dire on broie tout, et puis on regarde ce qu'il y a. Alors, et d'où l'intérêt d'avoir ces échantillons différents. Première chose intéressante, c'est que, vous le voyez, notre prélèvement du bouchon, au niveau du bouchon, vous voyez le camembert qu'on obtient avec les différentes familles, et vous voyez le camembert correspondant au prélèvement de terre externe. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est clair. Notre bouchon qu'on pensait être un bouchon artificiel, c'est pas vrai. C'est du sédiment qui est rentré. Il y a pratiquement, statistiquement, aucune différence entre ces deux camemberts. Hein. Après, bon, il y a des pourcentages de trucs, comme vous voyez, c'est à peu près les mêmes. Donc, le bouchon, l'idée qu'on s'était fait d'un bouchon, elle est fausse. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de bouchon que le résidu à l'intérieur était du résidu, était de la contamination, enfin, du externe, puisque quand vous voyez le prélèvement du résidu interne, ça se voit, c'est clair, on n'a pas du tout la même représentation des plantes. Hein. Et là, pour le coup, on a essentiellement des boraginacées. Donc, mais c'est parce que, et ça c'est quelque chose qui me semble important, c'est en faisant une déduction, en ayant trois échantillons, que je me sens rassurée de dire que mon prélèvement interne, il a du sens, et que probablement, en effet, c'est des boraginacées qui sont là-dedans. Mais voyez que c'est par comparaison, en fait, des échantillons que je peux assurer un résultat. Et puis, chose qui est extrêmement importante à mon sens, c'est qu'en même temps, mais ça on fait énormément, nous, de témoins, d'extraction, etc., où en parallèle, on a analysé, on a fait une analyse de l'environnement du laboratoire, ce qu'on appelle un tube vide, hein, où il n'y a rien dedans, mais pour voir quel était cet environnement-là. Et vous voyez, et ça j'insiste aussi, comme par hasard, on n'a pas zéro, ça j'aimerais bien le dire, mais on a plein de pinacées. Donc notre labo, qui se veut être un labo... des salles blanches, on rentre dedans, enfin, c'est au niveau de la maintenance, ça coûte très cher et c'est vraiment compliqué à gérer. Eh bien, vous voyez que même dans ces conditions-là, eh bien, les pollens de pinacées passent les filtres. On a 5 filtres successifs, enfin, voilà. On a quand même des pollens de pinacées. Et j'insiste là-dessus. Alors, d'un côté positif, ben, c'est assez intéressant, c'est que même en étant contaminé dans le laboratoire par des pinacées, c'est pas des pinacées qu'il y avait là-dedans, donc je suis assez sûre de mon résultat. Par contre, et ça s'est depuis révélé, on sort tout le temps des pinacées. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de doutes sur toutes les analyses génétiques qui sortent des pinacées, et vous avez vu ce que je vous avais présenté tout à l'heure sur la carotte glaciaire. C'était des pinacées. En fait, les pollens passent partout. Alors, c'est positif, négatif. Moi, je montre ces résultats pour montrer qu'il y a, voilà, il faut discuter des choses chaque fois, il faut comparer, il faut... voilà. Et là, donc, toujours sur le même, c'est la même chose, mais d'autres types d'analyses, vous voyez qu'on a toujours... Alors, je vous ai dit qu'on refaisait les PCR plusieurs fois. Vous voyez que deux fois, ici, la terre externe, on a eu les mêmes profils. Le bouchon, ben, c'est intéressant... le bouchon, on n'en avait qu'un, là. Le résidu externe, on a fait deux PCR différentes. C'est quand même des profils différents, mais ce n'est pas tout à fait pareil chaque fois. Et puis, ce qu'on fait, c'est que je vous ai dit qu'on avait fait... tout à l'heure, on avait regardé ce qui se passait dans la salle. Alors, les couleurs ont changé. Donc, bon, bref.
ça dans la salle, je ne sais plus. Et puis on utilise toujours des ossements d'espèces différentes qu'on analyse en même temps pour être sûr qu'on sort bien des choses différentes. Là, c'était un ossement de chien. Et on a trouvé des, comme par hasard aussi, c'est chaque fois des pinacées ou des cupressacées qui sortent dans les échantillons. Mais vous montrer que des échantillons vides, ça n'existe pas. Il y a toujours de la contamination externe. Mais dans la mesure où c'est différent des analyses qu'on a faites ici, alors ça nous assure du résultat positif, du résultat de ce côté, enfin, pour nos échantillons. Mais vous voyez, tout est en comparaison, en fait. Alors évidemment, hein, j'aurais pu ne pas faire... La meilleure chose, c'est de ne pas faire les tests. Hein. Alors, quand on ne fait pas les tests, c'est bon, on n'a pas la comparaison et on est sûr de ses résultats. J'insiste lourdement, mais c'est ce qui m'énerve essentiellement dans les papiers. C'est-à-dire que quand il n'y a pas les tests, au moins, on est sûr. Hein. Voilà. C'est... quand il n'y a pas les tests adéquats, voilà. Bon, et juste pour terminer, pour un autre travail qu'on avait fait il y a longtemps, je crois que c'était dans les années 2003... où on avait travaillé sur des amphores gallo-romaines à Lyon. On avait analysé des restes de la matière organique. On avait cherché des poissons. Alors là, on le cherchait de façon spécifique, c'est la méthode de paléogénétique ancienne, et des végétaux. Et à l'époque, c'est intéressant, parce que ça aussi, ça dépend toujours de l'histoire des sciences. Nous, je crois qu'on était un peu prétentieux à l'époque. On avait déposé un projet pour l'analyse des pratiques alimentaires et des voies commerciales. Et le but étant, évidemment, d'identifier les espèces pour connaître, savoir si, en fait, à Lyon, c'était des espèces qui venaient de la Méditerranée, enfin, des amphores qui venaient de Méditerranée ou de l'Atlantique, et donc comment on pouvait, avec les espèces présentes, inférer le fait qu'elles venaient de l'ouest ou du sud. Et à l'époque, on avait identifié la sardine, Sardina pichardus, de l'anchois, du pin, alors maintenant avec le recul, je me pose des questions sur le pinus, hein, mais à l'époque je ne me posais pas, de la vigne, voilà. Et on avait déterminé ça, et le but était qu'on cherchait à savoir, essentiellement avec les sardines, si c'était des sardines qui venaient de Méditerranée ou des sardines qui venaient de l'Atlantique. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore les analyses génétiques qui sont connues actuellement, qui permettent de différencier les différentes populations de sardines de Méditerranée ou d'Atlantique. Et donc, c'est une naïveté un peu de ma part, puisque on aurait pu publier ça à l'époque, mais comme je me suis dit, mais non, ça ne sert à rien, parce qu'on ne va pas pouvoir faire la différence, puisqu'on n'a pas les espèces de référence, on s'est arrêté là. Donc on l'a présenté dans quelques congrès, mais on ne l'a jamais publié. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, les analyses de référence sur la génétique des populations actuelles de sardines n'étaient pas faites. Donc on ne pouvait pas faire cette distinction. À l'heure actuelle, on peut la faire. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est que la paléogénétique, une fois qu'on obtient des résultats, c'est des résultats qui sont à conserver et qui peuvent ensuite, au fil du temps, donner des réponses plus précises. Là, on n'a donné qu'une des réponses de type « c'est de la sardine », puisque maintenant, on pourrait déterminer l'origine géographique. C'est-à-dire que dans une séquence d'ADN, donc vous pouvez identifier l'espèce, mais vous savez qu'il y a des populations différentes, pour certaines espèces, en fonction de certaines séquences d'ADN, on peut, grâce à ce qu'on appelle la phylogéographie, inférer l'origine géographique. Hein je vais prendre un exemple des ours que je connais bien. Vous prenez un os d'ours, vous pouvez voir non seulement que c'est l'ours de caverne, l'ours brun, etc., mais vous pouvez voir s'il vient de l'ouest de l'Europe ou de l'est de l'Europe. Hein. Dans une séquence génétique, on peut aussi trouver des différences géographiques, évidemment selon l'histoire des espèces et des populations. Donc c'est chaque fois différent. Voilà. Donc tout ça pour dire que maintenant, il faudrait reprendre en fait ces séquences et puis voir, et puis on obtiendrait peut-être maintenant un résultat. Voilà, je m'arrête là. J'ai plus ouvert de questions, j'ai beaucoup parlé, mais c'est juste pour dire que je veux dire, c'est le dialogue
Je ne vais pas me transformer. C'est vous qui avez souvent les questions, la connaissance de l'environnement, de tout ça. Et nous, on a d'autres réponses. Et c'est seulement en dialoguant ensemble qu'on arrive à monter des projets. Je dis ça, c'est parce que, dans le fond, mine de rien, ce n'est pas si simple de discuter avec un langage commun. Ça demande du temps. Ça demande de la compréhension les uns des autres. Et voilà. Je dis ça parce que vous savez que les biologistes moléculaires, on dit toujours, enfin, parfois, comment dire, on a ce côté-là, nous aussi, c'est vrai, en disant, ouais, mais les archéos, ils m'ont pas donné le contexte, je comprends pas, voilà. Et puis d'un côté, on reçoit aussi des coups de téléphone, nous, tous les deux mois, en disant, ah, là, c'est pas fini cette analyse, mais il y a des fois, on peut pas donner le résultat, il y a même 5 ans qui vont se passer, s'il n'y a pas les références dans les banques, on va pas pouvoir le faire. Enfin, voilà, c'est ce que je dis est complètement banal, mais c'est juste la discussion. Je crois que j'ai terminé. Merci Catherine pour cet exposé particulièrement vivant et passionné sur ta discipline qui ouvre vraiment, je crois, beaucoup de possibilités pour nous. Et maintenant, peut-être que Nicolas pourrait donner son point de vue de chimiste sur la question. Alors, j'y connais rien à l'ADN, mais on va essayer de s'en sortir. Parce que la chose qui est importante, c'est que les méthodes qu'on utilise, donc hier je vous ai présenté la lipidomique, la protéomique, et vous voyez apparaître maintenant la paléogénomique. Donc toutes les sciences en omique, c'est des sciences qui se développent depuis peut-être 5-8 ans et qui sont apparues suite au développement technologique en spectrométrie de masse ou par exemple en analyse de fragments ADN. Donc on va vers vraiment de nouvelles voies de recherche et c'est ce qu'on appelle notamment les analyses haut débit. Donc il y a non seulement les machines qui sont beaucoup plus performantes mais aussi les outils informatiques parce qu'il faut traiter des millions d'informations qui arrivent à chaque seconde d'analyse. L'humain ne peut plus le faire. Ce que je vous ai présenté hier, on prend tel pic, telle molécule, on va l'interpréter de telle façon. Il faut arriver à écrire des logiciels qui tiennent la route et qui ne font pas n'importe quoi non plus, parce que c'est comme les outils statistiques, on ne contrôle plus grand-chose. Et donc c'est seulement avec ces outils technologiques et bioinformatiques qu'on arrive à avoir de tels résultats. Quoi dire d'autre? Alors les deux articles qui existent, en analyse de paléogénétique du contenu d'amphores. Donc il y en a un de 2008 de Hanson et Foley et un de 2012 toujours du même Hanson où ils identifiaient alors de mémoire du pin, de la vigne, il devait y avoir du romarin et puis aussi quelques autres aromates. Donc ça c'était dans l'article de 2008. Et dans l'article de 2012, alors les protocoles et les échantillons sont décrits, mais peut-être pas suffisamment en détail. Donc on ne sait pas exactement quelles ont été les méthodologies qui ont été mises en œuvre. Et dans l'article de 2012, les généticiens sont partis d'échantillons, ils ont voulu analyser les imprégnations des parois internes poreuses de la céramique. Donc je voulais avoir ton point de vue. Comme on est très critique depuis hier, on fait un bilan des méthodes qui marchent, qui ne marchent pas et des résultats qu'on doit laisser de côté ou qu'on doit considérer comme valides. Qu'est-ce qu'on doit penser de cet échantillonnage, des résultats qui sont proposés au regard des méthodes qui sont mises en œuvre? Moi, je devrais pas le dire avant, j'aurais déraisonné avant, mais je suis très critique vis-à-vis de ces deux papiers. Déjà, pour une raison très très simple, c'est que le matériel et méthodes, c'est ce que tu viens de dire, ne décrit pas des choses qui devraient être de base notées. C'est-à-dire que le fait même de... Alors peut-être que ça... ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que le résultat est faux. Je dis juste que pour l'homme de métier qui a l'habitude, l'expert, il y a un certain nombre de critères qu'on regarde pour être sûr. Et ces critères ne sont pas notés.
Alors moi, je vous dis franchement, en tant que reviewer, je me serais dit, mais pourquoi ils ne le notent pas? Parce que s'ils l'ont bien fait, en général, on a plutôt tendance à le noter. Donc, et le fait même qu'ils ne le notent pas montre une certaine naïveté. C'est-à-dire que dans chacun, nous tous, dans chacune de nos disciplines, il y a des points critiques. Donc ça ne coûte rien de mettre une demi-phrase pour le dire. Le fait même de ne pas le dire, ça met un doute, ça jette un doute. Je ne comprends juste pas. Je ne dis pas que le résultat est faux, mais voilà. Donc, c'est peut-être vrai, mais voilà. Ensuite, tu m'as posé comme question. Les imprégnations. Alors, une chose est certaine quand même, c'est que l'adsorption de l'ADN sur des substrats est quelque chose qui est très bien pour la conservation de l'ADN. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'ADN, par exemple, est bien mieux conservé dans les ossements que dans les tissus mous? C'est qu'il y a une adsorption de l'ADN sur le calcium. Donc, chaque fois qu'il y a de l'adsorption, c'est plutôt bien pour la conservation de l'ADN. Ceci dit, il n'y a quand même pas énormément de papiers qui démontrent le fait qu'à partir d'une imprégnation sur de la céramique, on peut sortir de l'ADN. Disons que il y a assez de restes dans lesquels on a de la présence de matière organique. Je trouve qu'il vaudrait mieux commencer là-dessus. C'est déjà assez compliqué comme ça. On n'est pas comme pour la chimie où on connaît vraiment l'adsorption. Enfin, toi, c'est, voilà, donc je suis assez sceptique. Et en plus, troisième chose, il y a beaucoup de pain. Alors vous avez vu le pain, ce que j'en pense. C'est pas la bonne espèce à aller chercher. Et tout le monde trouve toujours du pain quand on fait de la génétique. Partout. Du pinus, il y en a partout. I don't want to be impolite. I can understand that you present your paper in French. Yes. I can understand. But since the official language is in English, maybe we can discuss a bit of DNA in English. Right. Since I'm an archaeologist, I have some difficulties to understand some things that you present. Anyway, I want to say also that we have some results of DNA in the fish products from Boca do Rio in Algarve, and in the Congress of Esposende 1 year ago. It will be very interesting to cross-check all this information and maybe later on to see the results and compare the results that we have with the some that you present here. Yes, so sure. I ask if you agree to discuss a bit in English. Yes. For everybody to understand, since we don't... it's, for us, it's very difficult sometimes to follow you. Okay. Also in English, of course, but anyway. Thank you. Non, je voudrais remercier Catherine Hennit de cet exposé absolument passionnant, pas seulement pour les archéologues, mais pour tous les gens qui sont un peu curieux de méthodes scientifiques et d'évolution des techniques. Vous avez, comme Nicolas d'ailleurs, appelé un dialogue, plus qu'un dialogue, même une mise en place commune entre les archéologues et les savants. Alors, si Michel me donne 3 minutes, je voudrais parler un peu de ça. Prenons les exemples que vous avez donnés. Une cruche trouvée dans une nécropole en Artois et deux ou trois amphores que vous ont fournis nos amis lyonnais. Vous avez dépensé des trésors de science là-dessus. J'espère que cette cruche trouvée dans une nécropole en Artois avait un intérêt particulier. Mais je me le demande. Quant aux amphores de Lyon, où ils vous ont posé la question de savoir, grâce à l'espèce de sardine, si elle venait de Méditerranée ou d'Atlantique. Mais ils savent très bien, grâce à la typologie et aux analyses pétrographiques des amphores, les quantités, là ils ont des nombres considérables qui permettraient presque de faire des statistiques, les quantités d'objets d'amphores et donc de sardines méditerranéennes qui viennent dans des amphores méditerranéennes, par rapport à celles qui viennent de l'Atlantique. Donc, je reviens un peu, enfin, ce que
que je disais en commençant hier. Qu'est-ce que nous voulons savoir? Parce qu'il y a une tentation actuelle absolument terrible des archéologues de s'amuser avec des savants. Alors j'espère que vous, ça vous amuse aussi et que ça apporte peut-être quelque chose à vos techniques, mais c'est tout de même un petit peu discutable, disons, éthiquement discutable. Alors on s'amuse avec des savants parce que c'est très joli, ça fait des communications, et puis en plus on ne travaille plus à ce moment-là. L'archéologue se dit, ce que je pourrais savoir, peu importe, parce qu'il y a des gens plus forts que moi qui vont le dire. Voilà. Je crois un des gros dangers quand même de la situation actuelle, et je pense qu'il faudrait, mais dans un petit groupe, arriver à essayer de mettre au point un protocole éthique de recours aux analyses scientifiques. Alors, mon deuxième point rebondira sur plutôt Nicolas hier. L'exemple des amphores d'art. Please, André, could you speak in English because I'm afraid that people will not understand you. Okay, I shall try to speak my second part in English, although it's most difficult. Yesterday's Nicolas has given us the results of analysis which had been asked from David Jawi on 4 amphorae found in Arles. We were interested to know where from these amphorae were coming and what they did contain. We asked 2 scientists. One was Claudio Capelli for the fabric, and the other was Nicolas Garnier from the content. Claudio Capelli answered, these amphoras come from Tunisia. Nicolas Garnier answered, the contents are Ben oil, which is produced only in Egypt or further to the east. So here is the answer which gives the scientist to curious archaeologists to have summoned the scientists to give answers to their problems. And what they return to the archaeologists is a problem. Can you tell us why an amphora created, built in Tunisia was filled with Ben oil in Egypt and then arrived to Arles? Well, the answer, and there are more difficulties which I shall list afterwards. The good answer of the archaeologist, as said Catherine Annie on yourself, sometimes we cannot answer. We have no likelihood, no probable hypothesis to answer to this problem unless we create a kind of novel, someone traveling from there to there and interested in perfumes. And so that's not science, that's anecdote. And so much the more that we know 2 things. One thing is that Ben oil was extremely expensive. We have the price in Pliny. It's very unlikely for an economist to think that a very expensive oil has been inserted, has filled 40 liters amphorae. These amphorae have capacity of 40 liters. And then, why did it arrive in Arles? 4 of them, I calculated the price would be enough to pay 3 legionaries for 1 year. And so much the more that you have found also wine. So we have to explain why these amphoras had not only what I explained, but had contained sometimes, you don't tell us when, wine. Well, that's something we archaeologists have just to leave apart. We cannot build any archaeological knowledge for what I advocated at the beginning, the knowledge of the contents of amphora type for such a result. So first danger is archaeologists playing with scientists, and second danger is scientists finding strange results and playing with archaeologists. And of course, what might occur now is that
We are so interested in this result of Benoit. It's so strange that we are going to ask maybe from another laboratory to check your results. And so we can speak of four amphoras with Benoit in all for years. And that's not really what is more important in archaeology, considered as the source of economic history. So I will answer in the two languages, in French and in English. Okay. Je vais le faire en français pour la première partie. La première partie, ce que vous avez dit tout à l'heure, comme ça, il y aura pas de. Je le redirai en anglais. Alors, je vous remercie vraiment pour ce que vous avez dit au départ, parce que tout à l'heure, parce que nous aussi, on se retrouve dans la même situation de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a deux choses. C'est que bien souvent, on nous dit, on m'appelle, on dit, j'aimerais faire l'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'ADN? Mais quelle est la question posée? Et moi, c'est énervant pour nous aussi, parce que je veux bien échanger et tout, mais ce n'est pas faire l'ADN pour faire l'ADN. Faire l'ADN, c'est qu'il y a une question posée dans un contexte donné. Il s'est passé exactement la même chose pour tout ce qui est les empreintes génétiques, pour tout ce qui est la police, etc. Maintenant, vous savez qu'on ne parle que de preuves par les preuves par l'ADN. Mais que veulent dire des preuves par l'ADN? Ça dépend du contexte. Je veux dire, des preuves par l'ADN, ça ne veut rien dire tout seul. Ça dépend toujours du contexte dans une enquête policière. On est exactement dans la même situation. Donc ça, je suis absolument d'accord avec vous. Et c'est pour ça, souvent, et je vous en ai parlé, je dis quelle est la question posée, qu'est-ce que vous voulez connaître, etc. Bon, après, quand vous dites que vous avez dépensé beaucoup d'argent par rapport à ce problème sur les voies commerciales, etc. Alors là aussi, on l'a vu avec le développement des techniques, mais la science donne des réponses qui ont un sens à un moment de l'histoire de cette science. Et à l'époque, il fallait voir que pour... En effet, c'est des choses... Mais justement, parce qu'elles étaient connues d'un point de vue archéo, il fallait pouvoir montrer qu'on pouvait aussi développer des outils, là je vous parle des années 2000, quelque chose comme ça, qui permettaient par d'autres moyens d'approcher ou de converger vers les mêmes choses. Donc c'était à l'époque... pour voir si justement, à partir de la détermination d'une espèce, on pouvait inférer, grâce à la phyléogéographie, l'origine, hein, d'où venait la matière première. Donc on a toujours un moment, c'est un peu un dialogue, il faut les deux dialogues pour pouvoir prouver. Hein. Les archéologues aiment bien prouver par l'ADN, et nous on voulait prouver par le fait qu'il y avait le contexte archéologique. Donc c'est un moment de l'histoire. Et puis donc, le vase de Vitry en Artois que tu as montré, the jar from the necropolis of Vitry en Artois was very interesting because Catherine was looking for reference, exactly. Archaeological references. And she wanted to develop and optimize all the protocols. So the reference artifacts are closed vases. And it was a unique opportunity in our INR research program. It was at this time Peramo. Yeah. And it was only closed vase we found during 3 or 4 years. And for our actual project MAGI, we have only one closed amphora from the necropolis of Veio, which, close to Roma, but we don't have the authorization from the university to open the amphora. So it is very complicated to find the good samples to optimize the methodology. With the stopper. We don't know. It's closed. And it's protected by an alarm in the laboratory. And do you know the type of amphora or the family or not even that? It was in the necropolis of Veio, maybe the... It's a Etruscan amphora or a Greek italic or what? 6 or 5 centuries before Christus. A Etruscan thing or a Greek thing maybe. Sorry? A Greek amphora or a Etruscan amphora. Etruscan. Etruscan. Yes. You are interested in the result, but we are interested in the... To have the access. In the protocol. We have to take time and lost time for protocols to adapt the sampling and so on to be sure of the result in a few years. So, okay.
sometimes we don't have a very important result in terms of archaeology just now, but we have to take time to and lost time to adapt protocols to have good results in the future, because so it's a question of you think we lost time and money but we need to do that to be sure to have good results for you in the future. With pleasure, but then it's the scope, the goal is yours. Yes, you're right. But you know, at the beginning, I am a scientist in the field of evolutionary sciences, and so at the beginning, I wanted to have a lot of sequences from ancient species and so on. But the result was so. It was difficult to have them, so I changed my mind, and I was obliged to go to the sampling and see all the different steps and so on to be sure of the result of the end and have a good interpretation. So. And the requirement is our, but without this object, we can't develop a methodology. Exactly. So. Without this object, it will not be possible to have good methodology for the future. So it's why we think it's a specific job to be at the interface between archaeologists and molecular biologists and chemists and so on. I think it's very important to have, and not to think that we lost time and lost samples and so on. We have to take time. Please, we will try to finish the session at 12:30. Séverine Lemaitre wanted to speak, and also Miguel Angel Cao wanted to speak. Thank you. Let me put it in this way, okay? It has, for a long time, it has been agreed that any archaeometric study starts with an archaeological question. So that's out of any discussion. I mean, if we don't have an archaeological question to be answered by archaeometry, we don't do archaeometry. We might play around with science, but it's not archaeometry. So I think that we all agree that, so we don't need to discuss on that, because that's the starting point of any archaeometrical work. Yeah. I mean, to have an archaeological question to be answered by those methods. So I think that we should already agree on that and you know, carry on forward. So. That was the first thing I wanted to say. The other thing is that don't believe that archaeometry is giving us always the solution to our problems. I mean, many often what archaeometry does is to open new problems or to discard some hypotheses and open new hypotheses. So, I mean, these are methods that are very interesting and very important today in general. I mean, paleogenomics or organic residue analysis or provenance studies, but they don't give all the solutions we need. Sure. And the other thing is that it's also clear and has been agreed for a long time that the final interpretation has to be done hand by hand with archaeologists and scientists. Because in fact, archaeometry is a field that has been created, which is a, you know, it's an interface, it's an interdisciplinary field where, you know, it's a playground, it's a common playground where scientists and archaeologists play together, you know. It's not a matter of talking to the scientists or talking to the exactly. archaeologists. It's a matter of you know, working together in this field, which is archaeometry, which is by definition created between science and archaeology, and that's what it is. And I think that's clear. It has been clear for a long time, right? And going into more precise things, because I don't know anything about paleogenomics, very few things. I wanted to ask you if we have sediments coming from a coring campaign in a lagoon area, could we still have DNA preserved? And the other one is something much more practical. You have been mentioning that this is something that is time consuming and is quite expensive. And I wanted to know how much time you need for taking this analysis and how much it would cost an analysis of that. Because I think the possibilities for this paleogenomic approach is just fantastic, but we need to know how much it might cost
and how much time we would need? I think we cannot answer in terms of number of sample, for example. It's why in my lab, even if it's like a platform for interface with archaeologists, what I like is to have project in common and have some money and after we do it, because I think it's not possible now to do it. It's not so easy to say the exact price, because when it's easy, it doesn't cost a lot. But when it's difficult, and when there is no DNA inside, it's more expensive than when we have some results. Because if we have results, we have just a PCR sequencing and so on, it's very easy, it's not so expensive. But if you have to try again and do it again and so on, and sometimes to have no result, it costs a lot. So it's not so easy. And so depending of the context too. For example, in this, what I presented, I wanted to, I thought it was important to have the result to be sure what it was inside, to compare what it was outside. So I said that for one result, I had three samples, so three times the analysis and so on. But sometimes the question is completely different. Is, for example, I have a bone and I want to know if it's a specific species. So it's quite easy to have the results. And it's not the same price. So it's all the time depending of the question and depending of the environment and so on. So even for the price, the question and what we know about the environment and so on, is the price depending of this, I think. Thank you. Perhaps the last intervention by Séverine. Thank you. You talked about geographical origin determination for animals. Mm-hmm. Is it actually possible for vegetals? For the vegetal. Depending of the vegetal. For example, depending of two things. The history of the species for wild animals, for example, for the migration of the population and so on. As I said, for example, for the cave bear, for the bears, it's very easy to know the bears coming from the east part of Europe or west part. But for it, depending of, for example, of depending of the history of the domestication of some species, it depending of a lot of different things in terms of biology of the species. But it depending of the references too. Because if we don't know the present-day references, we cannot compare with population from different places. So for each species, for each time, it's different. But I think the term determination of the geographical origin is not issued from genomic or chemistry, but from the interpretation done by botanists of the genomical and chemical results. It's another step. It's only botany. Mm. Because I was thinking about palm trees, for example. Mm. Thank you very much, everybody. We will move to the fish and archaeozoology, but I just wanted to stress on three points which seem important for the DNA analysis, so that the techniques recently improved a lot, so perhaps it's time to use the DNA analysis, but a lot of people stressed on the problem of the good use of such precise scientific protocols, so to choose the right samples from the right sites and to do an interpretation joint with the archaeologists and historians also.
And lastly, the problem of the complementarity of the DNA analysis with the lipidic proteomic analysis and also perhaps the paleobotanics, depending of probably the type of sample and also the type of content we are looking for and the precision of the answer we will reach. Now we will move to another topic, but completely linked with the previous ones, which is zooarchaeology and analysis of amphora content. So I call Miriam Sternberg and Dario for this this session.